Mesdames et messieurs, YouTube, bonsoir. Vous êtes sur le point de voir le jeu d'horreur le plus con de l'histoire des jeux d'horreur. J'espère que vous allez kiffer. C'est un jeu très très court, donc installez-vous. On est parti pour découvrir Death Trips. Let's go. Merci beaucoup, Ayo. Octobre, 31 octobre 2008. L'inspecteur James cherche un serial killer qui s'appelle Lady Death. Sa dernière victime a été trouvée dans cet hôtel miteux. Du coup, je m'y rends pour continuer mon investigation. Malheureusement pour le détective, le meurtrier est toujours présent. J'ai l'impression d'être un nain. Ah, pardon, une personne de petite taille. Bonjour. Bon, j'imagine qu'il faut prendre la clé. Niveau son, vous êtes bon? Ça rame ou pas? Non, ça va. Alors. C'est la porte qui fait 5 mètres, on est d'accord. Hein. Ah, attendez, le jeu est très court, donc je prends un peu mon temps. Hein. Quand je vous dis très court, c'est moins de 10 minutes. Hein. On se croirait dans Tomb Raider 2? Alors. Oh, il a même modélisé l'extérieur et tout, hein. Il a fait un effort. Il a fait un effort. Alors, le jeu est fait sous Unity. Non mais attendez, comment on s'assoit là? C'est tout fermé! T'es obligé d'escalader le canapé, c'est complètement con! C'est quoi ce PC là? Oh, les cartes graphiques, c'est cher maintenant, il y a quoi là-dedans? Oh, ça a l'air d'être les vieux PC dégueulasses, avec un lecteur DVD en plus. Ok. Ok, j'ai pris une clé. J'ai pas de menu, y a rien. Ok, y a pas de menu. J'appuie sur échappe, il se passe rien. C'est quoi ça? Ok. Les PC du collège, ouais, exactement. C'est fermé. J'imagine faut prendre l'ascenseur. Donc ça, c'est typiquement le petit genre de jeu fait à la pisse. Vous êtes prêts? Let's go. Merci beaucoup, Spara. Installez-vous, vous êtes sur le point de voir le meilleur jeu d'horreur de tous les temps. Merci énormément d'avoir joué à Death Trips. Voilà, merci beaucoup. Je vous ai dit, c'est le jeu d'horreur le plus con de l'histoire. Des bisous YouTube, j'espère que t'as kiffé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais des jeux plus cons que celui-là. Des bisous, n'hésite pas à partager, commenter. Hey, je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu que ce jeu, il était ouf. Oh putain. Non, en vrai, j'ai vraiment sursauté. Oh. Ah ouais, non, mais Game of the Year. Vous voulez qu'on le refasse? Non, non, il est gratuit, calmez-vous. Merci Aurélie pour ton... Aurélie Croft, excellent, pour ton follow. Merci beaucoup. Voilà, Jinzar, attendez, ça va être notre nouveau... Jinzar, je suis désolé, je te pose pas de questions. Que penses-tu de ce jeu? Il y a une autre fin? Ah bon? Attendez, il y a une autre fin? Ok, je réessaye, je me dirige vers lui. Ok. Attendez, on va le speedrun. Speedrun, baby. Qu'est-ce que vous pensez du jeu? Il est incroyable ce jeu. Il est incroyable.
Non, je peux pas aller ailleurs que l'ascenseur. Ah non, mais ça vaut 50 balles, hein, minimum. Et la rejouabilité, elle est folle. Je pense qu'il n'y a pas d'autre fin. Hein. Ça marche pas? Ah merde! Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autre fin en vrai. Hein. Encore? Arrêtez, 12 heures, vous êtes prêts? On va jouer à ça pendant 12 heures. La clé? Ah mais oui, la clé! À quoi elle sert la clé? Attendez. Est-ce qu'on voit un numéro dessus? Non. Ok, il y a peut-être une porte qu'on peut ouvrir. Attendez, attendez, attendez. Non mais je vous ai dit, vous êtes pas prêts. Le jeu est trop bien, quoi. Balayette! Ce serait fou que ça soit un jeu qui change à chaque nouvelle game, ce serait ouf, ouais. Retire le pot de fleurs. Non, je pense que c'est scripté, hein. Mais oui, la clé, elle sert à quoi? Attendez, je vais essayer d'ouvrir l'ascenseur sans la clé. Attendez. Le pauvre, c'est un tueur en série, Sabinouille. Hein. C'est grâce au pot de fleurs, la gamelle, justement. Je pense pas. Attends. Non, la clé. Non, non, non. Donc la clé, elle doit servir à quelque chose. Ou alors c'est juste pour le lore. Je sais pas. Attends. Ouais, tout à l'heure, je l'ai enlevé, il a quand même chuté. Ouais. Non, non, je vais avoir la même fin. En fait, j'ai pas de... Tu vois, d'inventaire, rien du tout. Donc, je sais pas. Bah, en fait, la seule porte, je peux pas l'ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'essaye d'enlever la table? Ah non, il tombe quand même. Vite! Oh! Thank you for these free tripping gears. Let's go, baby! Merci pour ces 3 années trépignantes. Ok. De quoi, je vais me coucher? Allô? Et vous vous rendez compte, le Mac qui s'est donné à écrire tout ça? Attends, il... Oh, c'est les nouvelles chaises Ikea, ça. Attends, il lui a fallu 3 ans pour faire ce jeu? De quoi il parle? Ok. Avec son crâne, ouais. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, monsieur? Attends, t'imagines? T'imagines, en fait, le jeu dure 1 heure? Non, mais y a rien. Hein. Oh. Hé? Eh? Merde! Comment on quitte le jeu? YouTube, on va. Oh putain! Des bisous YouTube. Fuck.